Ah, vous savez quoi? Je crois que je suis perdu. Hein. C'est pas du tout étonnant. Hein. Me connaissant, personne devant, c'est mort. Hein. Alors si je suis pas perdu, c'est un beau coup de chance. En tout cas, je continue sur ce chemin, je l'aime bien. Salut à tous, et bah c'est le deuxième jour à Val Thorens. Donc après le kilomètre vertical d'hier que vous pouvez retrouver en vidéo d'ailleurs, aujourd'hui c'est 30 km avec 1700-1800 de dénivelé positif. Alors comme vous voyez, le temps est pas terrible, il y a un peu de brouillard. En haut je pense que quand on va monter à 3000 on va pas voir grand chose. On va espérer que ça va se découvrir et puis voilà, on va kiffer. Hein. Une fois je suis en avance, 30 minutes d'avance, on va prendre un petit peu de temps. Voilà, on est sur les lignes de départ, il y avait à peu près 80 personnes inscrites, donc ça fait pas beaucoup. Mais allez, attention, c'est pas mal. Vous allez pouvoir commencer à vous rapprocher, s'il vous plaît. Amis, travaillez-le. Et c'est parti. C'est parti. Pour cette à 700 mètres de dénivelé positive. Bon courage à tous. Bon, voilà. On a fait 600 mètres. Et on a commencé par marcher direct. La température est bonne, il fait pas très beau, mais on est bien, ça devrait être une belle course. Ça démarre fort. Pour info, sur le circuit, sur le parcours, il y a Julien Chaurier qui est inscrit. Il s'entraîne beaucoup à Val Thorens. Et là, il est déjà loin, loin, loin. Je le vois là-bas. Mais je vais pas vous montrer à la GoPro, c'est trop loin. On est au sommet de la première montée. Petite pomme là, c'est bien malheureux. Mais regardez, je pense qu'ici il y a une vue de dingue. Malheureusement, bon voilà, on a passé le sommet à 7 km et 700 mètres de dénivelé, et là ça descend dur. Piste rouge de ski là. J'essaie d'envoyer un peu sans prendre de risque. Pas envie de me faire une cheville. Aujourd'hui à 10 jours le VT4M. Vous savez quoi? Je crois que je suis perdu. Hein. C'est pas du tout étonnant. Hein. Me connaissant, personne devant, c'est mort. Hein. Alors si je suis pas perdu, c'est un beau coup de chance. Bon, en tout cas, je continue sur ce chemin, je l'aime bien. J'aime bien. Il est super sympa, par contre. J'entends des applaudissements derrière, mais c'est un peu bizarre. Bon allez, moi je continue là-dessus, c'est cool. Regardez comment ça se passe au ravito. Allez, fromage, charcuterie et vin blanc. Et je sais pas si je vais pas me laisser aller pour un petit vin blanc quand même. Ouais. Ils me l'ont proposé et ça fait un petit débit, ça fait. Hein. Voilà, voilà, juste un fond, mais quand même un peu. Voilà, voilà. Ouais, bah, ça, c'est un fond. Voilà, c'est un petit fond.
Merci. Ah là, c'est bon, merci. Parfait, hein. Voilà, un vrai sportif. Bravo. Bon allez, merci à vous. Bonne continuation. Si jamais je termine pas, j'appellerai le pompier, il est juste là. Voilà, allez, merci. Merci. Bon allez, on repart. Bon, apparemment, il reste 7 km. Je comprends pas trop, ils m'ont dit qu'il y avait que de la descente. Mais je pense qu'ils sont bien foutus de moi. Apparemment, c'est fermé aujourd'hui là. Bon, on va faire un peu le bilan. Il reste effectivement 6 km 500, mais il y a 5 km de montée dans, pour lesquels on va prendre 600 mètres de dépouce. Bon, je suis avec Jonathan qui m'a rattrapé. Et là, on était en train de dire qu'on a l'impression d'être deux sur le parcours. On voit pas à 5 mètres. Ah, si, 5 mètres, on voit 10 mètres quoi. C'est que du bonheur, paysage, attention au coup de soleil. Ouais. Putain, franchement, je pense que c'est magnifique, hein. C'est vraiment dommage. Ah ouais, je peux pas. C'est magnifique. Bon, bah. On arrive à Val Thorens, c'est là-bas. Ça doit être à peu près 500 mètres, mais on voit tellement rien. C'est affreux, c'est apocalypse ce truc. Dire qu'il est 21h30. C'est ça. Il est 13h, ouais. Il fait nuit là. Ah là, ça sent bon là. On arrive et. Pour tout vous dire, on n'a pas de mental. Hein. Vous vous laquez. On n'a vraiment pas de mental. Il y a des jours comme ça. Hein. Allez, ça termine en courant. En tout cas, félicitations à vous. Bravo. Et regardez ça, mesdames et messieurs, les nouvelles voilà. Arrivées sur le VT 30 km. Avec. L'Unstop 40. Félicitations, les garçons. Bravo. Voyez comment ce petit 30 km. Tranquille, je suis malade, c'est sympa, et le beau soleil, c'était bien. Vous aviez décidé de ne pas mettre la pression à Julien Charrier. Je pense qu'il est bien, il est parti vite. Allez, le bat. Après, on a ralenti un peu. Voilà, fin de ce parcours de 30 km et de ces deux jours à Val Thorens. Franchement, c'était excellent. Aujourd'hui, un très beau parcours. Malheureusement, pas de soleil, mais bon, c'est comme ça. Hier, le kilomètre vertical, c'était top. Je pense que dans les années à venir, ce trail va grandir. Là, aujourd'hui, il y avait peu de participants. On était 80, je crois, sur le grand parcours. Mais je pense que le trail va grandir parce que c'est vraiment bien. Le parcours est superbe. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Venez sur Facebook, sur Instagram. Et sur le groupe Team Normal Runner, vous pouvez échanger, partager avec les autres membres de la communauté Normal Runner. Allez, à bientôt, ciao.